Oui, je pensais que t'avais pas, je comprenais pas. Poche Léo. Bah, le DC de Pégate sur IS. Wesh, moche, c'est Gitiat. On se retrouve pour une deuxième petite vidéo sur Nexion. Bon, les mecs, on se retrouve pour une bonne petite vidéo pillage à l'ancienne. Donc, je sais que vous adorez ça. Puisque, dernière version, quand je faisais des vidéos pillage, j'avais énormément de retours positifs. D'ailleurs, par le retour, vraiment, merci. Je sais pas si c'est pas ça le dernier rec. J'ai eu masse vues, masse mecs qui ont adoré la vidéo, masse mecs qui m'ont aimé. Bref, ben, merci à tous ceux qui l'ont vu. Puis, j'espère que celle-là aussi va marcher tout autant. Bref, on se retrouve pour un petit pillage Destiny avec des DC de Pikachu. Je suis arrivé pendant le pillage. Puis, je me suis connecté. Ben, il était déjà en train de piller la base. Donc, j'ai manqué une bonne partie du record, en fait, où il y avait énormément plus de stuff, mais bon, c'est pas grave, ça reste que j'ai quand même pillé quelques DC de P4. Bref, je vais aller vite. Premièrement, petit concours. Donc, dernière vidéo, je fais gagner un grade suprême. Donc, bim, GG à toi, mec. Tu remportes les grades, contacte-moi sur Discord. Et puis, nouveau concours, comme à chaque fois, petit grade suprême à win. Donc, pour participer, faut liker, s'abonner, puis commenter vos pseudos sur Nexion. D'ailleurs, c'est grâce à mon code créateur que je vous fais gagner tout ça. Donc, pour tous ceux qui connaissent pas, en gros, il y a un code créateur un petit peu comme sur Fortnite. Vous mettez mon code sur la boutique, qui t'advienne mon pseudo qui a été affiché à l'écran. Et puis voilà, ça me donne une partie de vos PB. Donc, merci à tous ceux qui l'ont utilisé. Et puis, du coup, c'est grâce à vous que je vous fais gagner un petit garde comme ça à chaque vidéo. Donc voilà, bonne chance à tous. Oubliez pas de l'utiliser, hein. Puis aussi, du coup, je vous disais merci, mais aussi encore merci pour tous ceux qui me font des dons. J'en ai reçu quelques-uns depuis la dernière vidéo, donc ben merci à tous ceux qui me font plaisir en me donnant leur stuff, hein. Moi, je le garde dans mon essayant, clin d'œil. Sinon, les mecs, comme je disais dans le dernier record, tout se passait bien sur une action avec ma fac, et puis encore actuellement, on vient toujours de remonter pour un classement, on l'était plus depuis un moment, mais bon, on vient de repasser. Donc bref, j'espère que ça continue de bien aller, on est toujours actif, franchement, on réfléchit, on doit être de... Ah ben même pas, on est des merdes en fait. Bref, moi, je vais vous laisser avec une petite présentation, donc ça va durer vraiment rapidement, et ensuite la vraie vidéo pillage. Donc moi c'était KitKat, j'espère qu'on va se retrouver très bientôt pour une autre vidéo, et puis ben sinon je vous laisse avec la petite présentation. Ciao ciao les jeunes. Re les mecs, du coup on se retrouve pour une petite présentation de GateMC. Bon les gars, vous avez déjà sûrement entendu parler du serveur, mais premièrement, je vais essayer de me dépêcher pour la présentation, parce qu'il y a beaucoup de nouveautés assez inédites, comme vous pouvez voir juste là. Du coup le serveur a l'air quand même assez sympathique, mais puisqu'il y a beaucoup de choses, je vais essayer de me dépêcher pour que ce soit assez rapide. Ensuite, comme d'hab, toutes les infos sont en desk, donc leur site, leur Discord, tout ça sont en desk, donc si vous êtes intéressé à venir, ben allez-y. Aussi, le serveur ouvre ce samedi à 16h, donc je compte sur vous pour être là à l'ouverture. De toute façon, après ma présentation, vous allez voir si ça vous intéresse. Et puis aussi, comme à chaque fois, je fais gagner un petit concours, je fais gagner 10€ pour une boutique. Donc pour participer, c'est très simple, faut liker, s'abonner et puis commenter vos pseudos sur GateMC. Ensuite, le nom du serveur aussi GateMC, vous l'écrivez dans votre commentaire. Comme ça, je sais que vous participez pour ce concours-là. Donc premièrement, les minerais basiques, donc blocs d'XP et blocs aléatoires, donc des minerais d'or moins quoi. Ensuite, les minerais d'ambre, d'opale, onyx et puis démonites. Donc démonites, c'est le seul minerai qui est pas fortunable, tout le reste, ben, ça se fortune. Avant du stuff démonites, donc seulement deux systèmes vous pouvez crafter, plastron et bot qui vous donnent des effets de potions à l'infini, donc c'est quand même très OP. Ensuite, un petit nouveau moyen de farmer de l'argent, donc c'est en gros vous avez des graines d'asphodèle qui est juste là, donc ça se plante sur des blocs de magma qui sont craftables juste ici. Vous avez cette machine là, en gros vous mettez votre asphodèle ici, du plasma qui est un sort de carburant qui s'obtient en killant les mobs, et puis ensuite vous obtenez de l'asphodèle calciné qui se revend au sachop quand même assez cher. Ensuite aussi, comme vous avez vu aussi, il y a mon accoutrement que je n'ai pas parlé, en gros il y a juste la commande sage cosmétique sur le serveur, donc ils sont achetables sur collège, je sais pas écrire quand je parle. Voilà, cosmétique, donc en gros vous avez des ailes, des queues et des oreilles, donc en gros tout ça c'est achetable in-game sur la boutique, je veux dire, mais du coup il n'y a pas d'avantage in-game, donc c'est pas pay to win en gros. Vous avez aussi le slash quest et le slash job, donc en gros des slash quests, vous connaissez, c'est des quêtes basiques avec différents niveaux de quêtes qui sont pas encore configurés. Et puis le slash job qui est très important sur le serveur, donc en gros vous avez 6 jobs différents qui sont toutes activés, donc assassin, chasseur, etc. En farmant les jobs, vous obtenez des effets de potions, donc à partir d'un certain niveau vous avez des effets de potions, donc par exemple mineur c'est ast, bûcheron c'est force, etc. Ensuite, par contre, ce serait trop OP si on pourrait tous avoir les effets de potions, vous pouvez seulement choisir un effet de potion à la fois, donc admettons que vous décidez d'avoir régénération à l'infini. Ben vous allez choisir Régène. Ensuite, pour ceux qui vont commencer le serveur aussi, vous aurez les esprits de potions. Donc en gros, ça permet juste des petits totems qui donnent des effets de potions entre 5 et 10 minutes, quoi. Ensuite, vous avez aussi le slash profil qui donne un paquet d'infos sur vous, donc votre classement joueur, donc en gros tous les meilleurs joueurs du serveur vont gagner des grades ou des PB pour la prochaine version. Classement faction, même principe, vous allez gagner des PB pour la prochaine version. Du coup, pour jouer classement, il y a deux moyens, c'est Win les Events que je vais vous montrer juste après, ou le COS. Sinon, les Events, il y en a comme beaucoup. Il y en a 4 inédits, ils sont vraiment cool les Events, mais j'ai pas beaucoup de temps à vous présenter, donc je vais aller très rapidement. L'anomalie qui est un gros event, donc en gros il y a une tour en plein milieu de l'event, faut monter tout ça, vous pouvez vous faire cobet, etc. Rendu en haut, même principe, il y a un cœur de fac à détruire. La faction qui réussit à faire le plus de dégâts
dégâts au cœur, vous pouvez en fait détruire la zone pendant 5 minutes. Donc comme vous pouvez voir dans la zone, il y a un paquet de tours de minerais qui vont être régénérés à chaque fois, mais du coup pour l'instant c'est des minerais vanilla. Ben, plus tard il va y avoir des minerais modés si j'ai bien compris. Donc en gros voilà, il y a un paquet de minerais à miner un petit peu partout. Et puis pour finir le faction battle, donc c'est une sorte de cottage. Donc en gros vous avez 4 mini cœurs autour de la zone. Et puis du coup, après que les 4 cœurs autour soient cassés, il y a le gros cœur en plein milieu qui s'active. Et puis la faction qui réussit à faire le plus de dégâts à ce cœur-là, ben gagne tout simplement l'event. Donc vous gagnez des loot, ben surtout des points de classement quoi. Les builds aussi sont vraiment stylés, je vous ai pas tous montré, mais ils sont quand même assez cool. La warzone pareil, c'est une warzone un petit peu dans une sorte de démon, dans genre les mobs aussi, il y a un nouveau mob juste ici. Donc en gros c'est comme ça qu'on obtient le plasma, donc le carburant. Bref, moi j'ai fait le tour du serveur, donc si vous êtes intéressé, comme j'ai dit au début, toutes les infos sont en desk. Sinon ben je vous laisse enjoy la vidéo. C'était Ketiat, et puis ben ciao ciao les jeunes. Dis c'est impliable, j'ai mis un stack de TNT tout à péter. Fmap. Vas-y, fais j'ai payé le creeper. Ouais. Mais tes parles, mais ils sont tous déco, comment ils ont pu tes parles? Mais quoi, ça vient d'arriver que t'es mort là? En gros, le piège, c'est le piège à la fac à Hirondelle qui m'a foutu. Oh! Faut péter Tita! What? Mais non! Oh, Tita, où? Les gars, Hirondelle revient! Oh, ouais! Wesh, ok. Bah, j'ai eu un fou Tita. J'ai rien suivi, c'est la base à Destiny, mais pourquoi Hirondelle est dans leur fac? Non! Non, en gros, j'ai mis dans le chat qui t'épait des pillages. On m'a dit moi, du coup je me suis TP. Et là, les mecs, ils m'ont TP là-dedans, gros. Et j'ai check les coffres, j'ai envoyé les screens à Hirondelle, et là, il a full TP. Ok, il faut le TP, faut TP ses potes, genre. C'est qui my skill, là? T'en as pillé, Lucie? Il a fait péter à TNT, ça a sauté. Ouais, mais comment qu'on fait pour aller de l'autre côté? Je sais pas, on était là tantôt. Je suis là, frère. Ils sont là. Qu'est-ce que tu racontes, c'est nous? Laisse-moi périr. Non, il y a my skill. Il y a my skill, il va drop. Je prends une première effet. Il y a vrai pump fit. T'as un petit pamper, les gars, ça fait. Il est sur moi, les mecs. Hein. Go. Ok, j'ai enlevé mon casque, moi, de sa mère. Ouais, t'enlèves ton. Ok, je pensais que t'avais pas. Je comprenais pas. Wesh, frérot, il va break, gros. Par contre, c'est qui recrute les perles? Parce que moi, j'en ai bien. C'est moi, c'est Pedro de Lugo. Ouais, il a disparu. Il y a spamper. Ouais, c'est pas grave. J'ai toujours pas compris, tu m'expliqueras après, du coup, Grondé. Mais tu as pas compris comment et bref. Moi si je suis pas. Il m'en reste trop de. Mais putain, je joue sur cette putain. Tiens, je récupère cette perle. Mais comment il a fait? Mais c'est un magicien ou quoi? Il est en train de se foquer. Putain, mais je suis toujours connecté par un random. Comme ça, en tirer, c'est trop compliqué. Mais moi en fait, j'ai rien eu depuis le début, donc j'ai même pas vu ce qu'il y avait dans les coffres s'exploser. Vous récupérez comme des. Ouais, y'a un super truc, attends, t'as joué. Il est là. Laisse-le poser. Ah, j'ai eu. Pas eu grand chose. J'ai eu deux items, Iris. Ah, mais non, ça avait pété ici. Ici, ça avait pété. What the fuck? Que des full T5 Iris. Ouais, j'ai eu. Mais gros, vous êtes vide ou quoi? Il y avait 3 lignes d'items, j'ai même pas pu en récupérer un. Ah, y'a l'encassier. En fait, si je vais le refaire. Le truc, il t'aurait pas dû TP tout le monde, bah là, genre, tout le monde te fait voler tes stuff, gros. Vu les screens que je t'ai envoyé, Ticket. Oh ouais. Non, mais je sens ce que je dis, tu t'es tout fait voler à moitié de stuff, mais. Bah ouais. Tous les codes, t'as posé de peur, moi, donc. Bah non, voilà, c'est voilà, t'as du. Bah moi, j'ai eu des potes, moi, là-dedans. J'ai rien, moi. Bah, j'ai eu un casse P4. Putain, y'en a fallu. Moi, j'en ai cherché un en BP. Yep. Non, j'en ai cherché un, j'ai dit j'en cherche un, vous m'avez dit non, mais du coup, je vais. Oh, je viens de voir, j'ai récupéré genre une vingtaine de pommes cheats. Ah, bah, j'en ai plus. Oh, moi, j'en fais bien, j'en ai plus aussi. Oh, bah, c'est vous, j'ai rien eu du reste du stuff. Disiez-vous tous un par un. Vous m'avez dit, j'ai rien eu, où sont passés genre quelques trucs des autres stuff. Non, mais genre. Wow, y'a 2 livres P2 et 2 livres U2. Wow, vraiment gros coffre, c'est cool. C'est vraiment genre sécu comme coffre. Attends, je suis revenu genre de l'autre côté. Ah, ici, un full P4 Iris dans un coffre. Là, il me reste juste une dirage, je check lequel. Genre là. Ici, non? Le coffre opale, là, ici. Opale, on va checker le coffre opale. Oh! Bah, un DC de P4 sur Iris. Waouh. TP, c'est moi qui ai le creeper. Oh! On trop là, ce fruit. C'est la volonté aujourd'hui, les frères! C'est quoi les filles? Un gros piège! Le coffre en opale, mais. Non, je peux pas le poser en fait. Mais personne pourrait récup en fait. Ouais. Parce qu'il fera perle dedans.
La pousse, c'est beau. Voilà. Ah non, c'est l'autre que tu fais. En fait, c'est de côté, ils peuvent totalement. Oh les gars, il y a 9 explorateurs de coffres, c'est abusé. Hop hop hop. J'ai rien eu encore. Bon, j'ai tout eu. Bah explore le reste des coffres, écoute. Hein. Y en a un dans le coin, le chien que j'ai eu dans le coin, il peut peut-être avoir des trucs. Oh, ouais. Ce qu'ils font avec ça, les mecs ils avaient quoi? Ils avaient genre 9 pelins titane. Non mais regardez, regardez. T'es où? Regardez. Les pelins titane à côté. Sur mon tête. Et Perry, Perry, regarde le quoi, il est dans le coin et lol. Les mecs ici, il y a un peu de PK. Ouais. Donne un explorateur. Ils vont putain. Y'a quoi dedans? Y'a grimoire. Quoi? Où est la vie de ma mère? Et tu t'es là. La vie de ma mère? Ouais, j'ai mon bâton titane. Ça ne manquait pas. Bah, j'ai eu que des bottes. Ouais, j'ai eu des points d'XP. Watch, je t'en veux. Tiens, il me drop des fonds. Kaja, je te passe. Mais t'es où? Ouais, mais ça, par mon truc, au moins, il est pour avancer. Moi, j'ai rien eu, les gars, je vais bien item. J'ai eu 7 perles. Ah, bah, non, mais le super creeper, non, mais arrête, je suis full de 1, puis de 2, le super creeper, je vais refaire. Bon, bah, c'est périlleux. Tu vas péter l'homme coffre, c'est. Fais péter. Non, mais passe-moi un peu dans Synapsie. Ah, OBS, voilà. C'est la première fois que je vois un Assassin's Creed dans moi. Ok, what the fuck. Mais il était vide, gros. Il était vide, j'ai eu. C'est quoi, t'as eu full life? Attends, Mazaki, putain. J'ai peut-être des coffres là-dessous. Ah, c'est pas fou, hein. Ouais. Ah, j'ai récupéré 3 stacks. Bah, deux, attends. C'est qui voulait parier? Ouais, aussi. Oh. Bah, moi, je vais dégager de là, parce que tu verras, ton truc, c'est lourd, la vie même. Ah, bah, toi, merci, mec. Ouais, l'ancien obscur. Calme-toi, t'as besoin d'un DC, mais...